Il y avait eu cet été une espèce de petite tournée. Tournée des plages. Tournée à l'arrache. Ouais. Tournée des plages. Ah, ça fait du bien, ça. Ça faisait du bien. Bah, c'est le première fois que, tu vois, on a pu reprendre la parole sur scène. Et voilà, c'est ça, on a donné rendez-vous aux gens devant les plages. Il y a eu quelques fois qui. Très vite, tu as été arrêté. Enfin, en tout cas, ça n'a pas pu aller très, très loin. Avec Otto ici présent. Otto, qu'est-ce qui s'est passé, Otto? Écoute, on va dire que sa popularité a totalement dépassé, en fait. Et en fait, la police avait peur. C'est ça le truc. C'est que... En fait, nous, à la base, on a donné des rendez-vous. On a dit aux gens venez, mais on pensait que ce serait. Comment dire, modéré, quoi, tu vois, qu'il y aurait un peu de monde, mais vu que ça faisait. Ouais, en voilà. fait, on mesurait pas la portée du truc. Donc, on s'est dit, ouais, vas-y, on va aller voir des fans et tout, mais ça a pris une propension, mais genre. J'avais rien fait en solo encore, tu vois. Et même au final, Columbine, ça datait déjà d'il y a 2 ans, bah, tu sais jamais, en fait, tu vois. Et quand on est arrivé, il y avait trop de monde, et les flics, ils arrivaient trop vite. Ouais, il y a un documentaire que vous pouvez mater sur France TV. Ouais, fort, on a fait un docu qui retrace toute la période, un peu, tu vois, en fait. Toute la période de Montagne Russe, voilà, la création de l'album. Les moments doux, tout est dans ton appart, où à un moment, ça te fait chier quand même le confinement, on le voit, c'est. Ouais, ça tourne en rond, quoi, c'est. Ouais, là, on était vraiment. Loki. Et puis c'est cette plage, enfin c'est, il y a un extrait d'une plage en tout cas où ça va très vite, quoi. Où d'un seul coup tu es grimpé sur le toit de la camionnette et tu dois très vite redescendre. Ouais, tu vois. Planète rap.